Il y a plus d'un an, Meghan Markle et Harry ont choisi de tourner le dos à la famille royale. Ainsi, ces derniers ont mis fin à leur fonction et ont demandé leur indépendance financière. Par la suite, ils sont partis vivre au Canada pour finir par poser leurs valises en Californie. Le Mexi n'a pas été bien vu et beaucoup d'Anglais n'ont pas aimé l'attitude de Harry. De son côté, la reine Elisabeth y était très triste de leur décision, mais avait choisi de leur laisser leur titre. Pour autant, mais Grand ne devait plus se faire appeler Son Altesse Royale la Duchesse de Sussex, avait confié Péople. Une chose qu'elle a bien appliquée même si elle garde son titre de Duchesse. D'ailleurs, elle représente toujours la famille royale et se doit de ne pas mettre en avant ses opinions politiques. L'ancienne actrice de suite enfreint bien souvent les règles de la couronne, cela agace quelque peu Elisabeth I mais aussi les internautes. Meghan Markle et Harry n'ont pas envie de retourner en Angleterre et coupent peu à peu les liens avec la famille royale. Pour autant, il y a quelques jours, ces derniers se sont rendus au cimetière national de Los Angeles pour la journée du souvenir. Les parents de Archie ont posé des fleurs sur la tombe de deux soldats du Commonwealth. Ils ont voulu leur rendre hommage, mais cela n'a pas fait l'unanimité. Pour beaucoup d'internautes, les deux stars auraient voulu faire un gros coup de peupoint ainsi sur Twitter. Les gens sont en colère contre Megan Markle et Harry. Pour eux, il est clair que la reine Elisabeth II devrait leur enlever tous leurs titres. Megan et Harry auraient dû abandonner leurs titres au moment où ils ont commencé à se plaindre de la famille royale, a écrit un internaute. Ils utilisent des titres pour gagner des adeptes et de la renommée, a commenté un autre internaute sur Twitter. Néanmoins, Megan et Harry ne sont pas prêts de perdre leurs titres si l'on en croit le biographe sans Smith. Comme il l'a confié dans The Express, les deux stars ont eu des titres à vie, enfin, Sansmith a bien du mal à croire que les parents d'Archie aient été au cimetière pour se faire remarquer, je ne pense pas que ce soit des gens qui fassent quelque chose comme le dimanche du souvenir comme coup de pub, a-t-il dit pour le média.